السلام عليكم ورحمة الله. مباشر من مطار شارل دوغول باريس واتجاه المطار القاهرة بمصر. Pour les personnes qui n'ont pas compris, je me trouve actuellement à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Nous sommes le dimanche 24 février 2019 et nous nous apprêtons à prendre la route pour le Caire en Égypte. Générique! À ce qui paraît, la route pour le Caire est assez longue. Je ne sais pas quand elle va se terminer. Ah non, c'est vrai, on est encore à l'aéroport Charles de Gaulle en fait. N'empêche que la route va être longue. C'est parti pour plus de 4 heures de vol. Le soir, on arrivera complètement exténué. Je vais aller dormir un peu en prévision. Nous voici à présent à bord du vol Égyptair numéro MS800 à destination du Caire. Nous allons démarrer dans quelques minutes pour environ 4h et 20 minutes de vol. Nous devrions donc arriver au Caire pour 20h10 heure locale. C'est parti, Masr Enegay. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like girl. Il nous reste un petit peu moins de 2 heures de vol et le soleil commence déjà à se coucher. Et passé un certain moment, c'est même la nuit qui est tombée. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes du Caire et il fait déjà nuit noire. Et on approche dangereusement du Caire. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Croyez-moi, 4h20 de vol, c'est long. Non. Mais bon, nous sommes bien arrivés au Caire. Nous venons de passer la douane. Maintenant, direction les bagages et ensuite, au direction l'hôtel. Nous voici enfin à l'hôtel Saphir à Gizeh, de l'autre côté du Nil. Regardez-moi ce lit formidable. Oh là là. Franchement, je m'y mettrais bien tout seul et je jetterais mes parents avec plaisir. Mais bon, je suis quand même quelqu'un d'assez conscient, je tiens à ma vie, du coup je pense que je vais plutôt me mettre là. Ce sera plus réaliste et plus sûr. Et mon père veut déjà me tuer, merci. Évidemment, vu qu'il est plus de minuit, on peut dire qu'on est déjà le lundi 25 février. Et là, on vient de vivre un véritable parcours du combattant. Entre l'aéroport, l'hôtel, l'attribution de nos chambres. On est très très fatigué après cette journée et encore la nuit va être très très courte.
Je vais aller dormir, je pense. Ce sera mieux. Voilà. À demain. Enfin, à tout à l'heure. Bon, il est 7h du matin, j'ai un petit peu faim et beaucoup de choix. Dans le cadre de nos visites que nous effectuons en Égypte, nous utilisons la monnaie locale, à savoir la livre égyptienne. Le taux de conversion est le suivant. 1 euro vaut environ 20 livres égyptiennes. Et voici venir les fameuses pyramides de Gizeh. Avec la pyramide de Khéops, la principale juste devant moi. 146 mètres de hauteur. Ce lundi, sur le site des fameuses pyramides de Gizeh. Nous commençons par la plus petite des trois, à savoir la pyramide de Mykérinos. Par là, nous avons ensuite la pyramide de Khéphren. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas la plus grande des trois. Franchement, j'ai été trop tenté. Cette balade en chameau nous permet également de profiter de la vue de l'ensemble du plateau de Gizeh. C'est juste fabuleux. Inch'Allah. Ah oui, franchement, là, j'ai rien à dire. T'es d'accord avec moi, mon gars, non? Je prends ça pour un oui. L'autre chose intéressante à voir ici même sur le site de Gizeh est le célèbre sphinx que l'on voit là. Alors là, mes mains sont toutes pleines de parfums. On vient de tester de nombreux échantillons. Là, mes mains sentent la rose, le jasmin, le lotus, etc.
un véritable jardin. Je veux la vie en rose. Rose, jasmin, menthe. J'avoue que je sais pas quoi prendre. On part sur quoi ? Après avoir découvert la parfumerie et le lotus égyptien, partons désormais à la découverte du papyrus, un autre emblème national et millénaire. Et maintenant, on utilise le rouleau, mieux que le marteau. Aussi, les dames utilisent celui-là à la maison. France aussi ? Pourquoi ? Nous voici à présent arrivés à Memphis, qui est la capitale historique de l'ancien empire d'Égypte. C'est un véritable musée en plein air que voici là, avec de nombreux objets de l'époque antique. Et notamment un sphinx là-bas. But what did you do? What did you say? Or did you walk or did you run away? On trouve également là la statue du célèbre pharaon Ramsès II, pharaon de la 19e dynastie égyptienne, qui a la particularité d'avoir eu un très long règne, à savoir 67 ans. Was it overnight or did it take you long? Was knowing your weakness what made you strong? Nous avons également là une autre statue du pharaon Ramsès. Une statue qui a la particularité d'être couchée, mais également très très grande, dans la mesure où elle faisait 13 mètres autrefois, mais n'en fait plus que 11 aujourd'hui, car il lui manque les jambes. Presque 21h, nous sommes rentrés complètement exténués de cette journée. En même temps, la fatigue de la veille y est pour quelque chose. Le plus judicieux est donc de se reposer dès à présent pour entamer la journée de demain. Une journée qui promet beaucoup.
ce mardi 26 février, nous commençons nos visites ici même à la citadelle du Caire, à savoir la citadelle de Saladin ou Salah ed-Din. C'est ici que se trouve notamment la mosquée de Mohamed Ali, non pas comme le célèbre boxeur, mais comme un ancien souverain égyptien du 19e siècle. Admirez plutôt. ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن C'est aussi depuis la citadelle qu'on a une très belle vue panoramique sur cette grande ville qui est le Caire. Notre visite au Caire se poursuit avec à ma droite la mosquée Al-Rifa'i. Et à ma gauche, la mosquée du sultan Hassan. On commence tout d'abord par la mosquée du sultan Hassan, édifiée entre 1356 et 1363. Cette mosquée contient également une école que l'on appelle madrasa. وفيه محاسن الأخلاق والقرآن Et voici à présent la mosquée Al-Rifa'i, où on trouve notamment la tombe du dernier Shah d'Iran.
Sinon, un déjeuner sur un bateau au bord du Nil, est-ce que ça intéresse quelqu'un ? So alone, all you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never. Bah, tout près de la mosquée, on a là un souk où l'on vend des articles de diverses catégories. De quoi s'acheter plein de souvenirs et en profiter un maximum. Faites toutes vos emplettes ici, vous ne serez pas déçus. Et ici même, au Pierre, qui sait que je croise, vous les avez peut-être vus sur Facebook, Instagram, YouTube, Nail Mohamed, les Black Packers. C'est nous qui l'avons croisé, c'est nous on est fiers de le rencontrer, elle des voyages. Elle des passions de voyage. Les grands esprits de voyage se rencontrent. Voilà, dans le souk du Caire, franchement magnifique. Super rencontre. Alors c'est comment le Caire? Ah, franchement c'est super, il y a trop de choses à voir ici. La ville elle est gigantesque, franchement on pourrait faire 1000 vidéos je crois. Totalement, ah mais obligé je reviens. Ah ouais. À l'occasion je reviens, c'est obligé. En tout cas ça fait plaisir. Bonne continuation et n'hésitez pas à aller liker sa page et la nôtre. Eh ouais. Les Black Packers partout sur les réseaux sociaux. Elle dépasse le voyage. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit. Oh, qu'un barracuda. Barracuda. Vous l'avez compris, on est le mercredi 27 février 2019. Il est presque 7h du matin et nous allons prendre la route d'Alexandrie. Popularisée par une célèbre chanson de Claude François, Al-Iskandaria comme on l'appelle en arabe, est surtout connue pour être la deuxième ville d'Égypte après le Caire. Avec 8 millions d'habitants, il s'agit tout simplement d'une autre grande métropole égyptienne située au bord de la Méditerranée. Commençons nos visites sans plus tarder. Le premier lieu que nous visitons aujourd'hui à Alexandrie est le parc de Muntaza, d'une surface de 370 hectares. On y trouve notamment
Palais d'été du roi Farouk. Nous sommes enfin rentrés d'Alexandrie, le retour fut particulièrement long, les routes étaient pas mal bouchées, nous nous sommes arrêtés à plusieurs reprises. Donc là on peut dire qu'on est très très fatigué, nous ne sommes pas restés super longtemps au bord de la Méditerranée, nous avons découvert certaines choses, mais pour moi ce n'était pas assez. J'espère avoir l'occasion de revenir une autre fois ici même. Sinon nous vivons ici notre dernière soirée de ce séjour en Égypte. Là, je pense qu'on va aller manger un petit morceau avec, avec les différents membres du groupe et ne pas tarder à dormir. Puisque demain, nous prenons une autre direction et ce sera intense. Jeudi 28 février, il est 7h du matin et nous nous apprêtons à quitter l'hôtel Saphir pour rejoindre l'aéroport international du Caire. Vous l'aurez compris, nous quittons l'Égypte pour rejoindre une nouvelle destination. Cette destination, je vous la laisserai découvrir dans le prochain épisode des vlogs de LD Passion Voyage. A très bientôt! Comme.